Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le niveau de vigilance en cours sur notre département est vert. Sur l'image satellite de ce soir, des paquets nuageux remontent sur le nord de l'Arc et des Grandes Antilles en produisant quelques averses. Une masse d'air sèche associée à des poussières de sable d'origine saharienne envahit les Petites Antilles. Ce soir, la présence de nombreuses poussières en suspension dans l'atmosphère donne un temps grisâtre. La soirée est calme, puis quelques petites ondées s'invitent en deuxième partie de nuit. Comptez 23 degrés sur les hauteurs, 24 sur Saint-Pierre et Rivière-Salée, et puis 25 degrés sur la pointe sud. Demain, comme aujourd'hui, il y aura quelques gouttes au lever du jour, puis la brume de sable apportera un ciel grisâtre malgré les tentatives de percée du soleil. La nuit suivante, des petites averses transiteront sur notre île. Et côté température, regardez, il fera bien chaud avec environ 31 degrés sur tout le territoire. Le vent de dominance est modéré. Il souffle en moyenne entre 10 et 20 km/h dans les terres, autour de 25 km/h sur le littoral atlantique et sur les Hauts-Mornes. Et la mer est agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens autour de 1,50 m. En Caraïbes, elle est belle au rivage, peu agitée au large avec des creux moyens proches des 1 m. Passons maintenant à la tendance pour les 5 prochains jours. Commençons par lundi. Le temps est nuageux avec quelques averses passagères qui transitent rapidement sur notre île. La brume de sable persiste, ce qui gêne le soleil. La nuit suivante est ponctuée par des ondées et les minimales seront à 25 degrés et les maximales à 31 degrés. Mardi, les passages nuageux sont plus nombreux avec parfois des averses. La brume de sable est encore présente. Quelques ondées traînent encore dans la matinée de mercredi. L'atmosphère s'assèche mais le soleil perce difficilement avec la présence des poussières de sable. Le mercure oscillera encore entre 25 et 31 degrés. Et puis, jeudi, après le passage des ondées matinales, le temps reste variable avec de belles périodes ensoleillées l'après-midi. Mais la brume de sable est encore de la partie. Demain, nous serons le dimanche 16 mai. On fêtera les honorés. La pleine mer est prévue pour 4h09, la basse mer pour 13h04 et le soleil se lèvera à 5h35 pour nous quitter à 18h25. Ce dimanche, la brume de sable devrait continuer à nous intéresser et engendrer des concentrations élevées en particules fines dans l'air. Madinina devrait maintenir active la procédure d'alerte et prévoit un indice atmo mauvais sur tout le territoire. Les polluants responsables de cet indice sont les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Très bonne soirée à vous et à demain.